pour développer le semis de maïs Soubache, André Ducange a investi dans un semoir Samco de Sirens. Cet entrepreneur de travaux agricoles situé dans la Somme s'est tourné vers cette technique en partenariat avec la coopérative Noriap. Cette dernière était également désireuse de développer la technique. Dans le partenariat, elle a donc pour rôle de trouver les clients. André réalise ensuite la prestation. Le but du semis Soubache est de créer un environnement comparable à celui d'une serre. Ainsi, le sol est réchauffé plus facilement, ce qui facilite le développement de la plante. Le film évite également les risques de battance. Lors de notre passage, le chantier se met sur une exploitation de polyculture élevage en Seine-Maritime. Deux rangs de sorgho étaient implantés au milieu des rangs de maïs, le tout étant destiné à l'alimentation animale. Le sorgho demande encore plus de chaleur que le maïs pour son développement. Sa culture en Seine-Maritime sans bâche reste donc complexe. Le semoir, tout comme le film, proviennent de chez Samco. Le constructeur irlandais réalise toute la machine, à l'exception des éléments semeurs monograines provenant de chez Gverneland. La machine est équipée de bus pour désherber au moment du semis, entre et sous les bâches. Un système de dérouleur positionne le film plastique derrière les éléments semeurs. Chaque film recouvre deux rangs. Cependant, le film ne touche pas le sol pour permettre à la plante de se développer sous le film, puis de le déchirer par la suite. Le film est oxophotodégradable, c'est-à-dire qu'il se dégrade au contact de la lumière et de l'air. En plus du semoir, André a choisi de s'équiper du carry-all. Ce châssis semi-porté intègre une cuve de 3000 litres destinée au désherbage. L'appareil est équipé comme un pulvérisateur avec une cuve d'eau claire ainsi qu'un incorporateur. Le tout repose sur un essieu jumelé et directeur pour réduire l'impact au sol et faciliter la manœuvrabilité.